L'incarcération de l'édile de Libreville, Léandre Osuet, placé en détention préventive à la prison centrale du Gros Bouquet mardi 15 septembre 2020, suite à son inculpation au palais de justice pour 8 chefs d'inculpation, pose donc d'ores et déjà la question de sa succession à la tête de la principale mairie du pays. Parmi les candidats susceptibles de le remplacer, 3 adjoints sont notamment cités. Pour le journal Onganga, il s'agit d'une guerre de tranchées opposant les 2 groupes ethniques qui composent en majorité la province de l'Estuaire, l'Impongwe et les Fang. Les premiers, l'Impongwe, tiendraient actuellement le haut du pavé compte tenu qu'ils ont récemment arraché la primature des mains des Fang à travers la nomination de Rose Christiane Osuka-Raponda. Toujours selon la source, c'est la mairie de Libreville qui est en passe de filer entre les doigts des Fang dont le représentant est incarcéré. Pour sa succession, son adjointe, Madame Iwanga, s'oppose en candidate sérieuse au détriment, par exemple, du 5e adjoint, Ejeune Nguema, ou encore Adrien Nguemamba. Dans tous les cas, la désignation du successeur de Léandre Osuet ne s'avère pas une mince affaire pour le camp de la majorité.